dépasser son maître, le comte. Le comte, tu disposes de 5 minutes. 5 minutes. Oh là là. On ne va pas se mentir. Le premier réflexe du candidat PLDSEC, adolescent d'éloquence, lorsqu'il reçoit son sujet, c'est d'aller sur Google. Généralement, ça me donne toujours une bonne idée à caser en cas de manque d'imagination. Du coup, je cherche, mais là, c'est le drame. Résultat, contrairement à Christophe, qui n'est plus là pour en témoigner, aucune citation. Plusieurs sites extrêmement intéressants, du style entrechienetnous.fr ou encore amoureuxdesbêtes.com. Je me suis dit que vous livrez les techniques de dressage de Candice Denis, qui nous apprend que si ton chien te dépasse, il doit faire demi-tour et toujours marcher derrière son maître. C'était pas forcément une super idée. Du coup, j'ai continué mes recherches. Je suis tombé sur des sujets très ludiques. Par exemple, des forums où des espèces de grands malades font des théories sur Bruce Lee, Jet Li et Rocky réunis. Les mecs sont là, genre, mais attends, tu penses qu'avec un entraînement intensif, Jet Li aurait mis sa race avant Dame? Ouais. Pris d'une panique chronique, je décide alors d'abandonner mon ordinateur pour revenir chez les gens normaux. Du coup, je me suis dit que j'allais inventer des citations moi-même. On l'a tous tenté dans le devoir de philo, le concept du mec qui invente une citation d'un mec qui n'existe pas, ou, encore plus fourbe, d'un mec qui existe mais qui a jamais dit ça. Par exemple, si je voulais prendre ce concours à la légère, par exemple, je vous dirais que Snoop Dogg a confié un jour, sachant que je suis mon unique maître, pourrais-je me dépasser un jour, négro? Là encore, je ne sentais pas l'attaque. Je vais donc vous raconter une histoire. Mon histoire. Moi aussi, j'ai eu un maître. Par pudeur, mais aussi par traumatisme, j'ai décidé de taire son nom. On l'appellera donc au hasard monsieur... Tiens, monsieur Fournol. Monsieur Fournol. Monsieur Fournol, durant toute mon existence, m'a pourri la vie. Ce type, ça va continuer, attention. C'était mon prof de maths de 4e. Ça commençait avec mes bulletins de notes, où il prenait un malin plaisir à se foutre de ma gueule. Premier trimestre, unique appréciation limpide, Pythagore ne s'écrit pas avec un B. Oui, j'ai malheureusement une fâcheuse tendance à la dyslexie, je m'en excuse. Deuxième trimestre, je cite, 2 de moyenne, 1 pour l'encre, 1 pour la feuille, enfin un théorème que vous savez appliquer. Troisième trimestre, un laconique mais néanmoins efficace, l'apathie a un visage. Cependant, tout ceci n'était qu'un début. Troisième, premier rendez-vous galant avec Jennifer Marquez. Ah, Jennifer, 4e techno, surnommée dans tout le collège Jennifer la Chaudière. Je me sape, beau gosse. Genre mon plus beau slim, vous savez, celui qui est tellement moulant qu'on peut même deviner ta religion. Je me trouve au rendez-vous, confiant, solide sur de moi, avec les 5 minutes de retard du mec un peu nonchalant qui en a rien à foutre. Un quart d'heure, j'attends. Une demi-heure, j'attends. J'appelle Jennifer, pas de réponse. Le lendemain, sortie du cours de maths, Fournol me dévisage d'une manière étrange, avec un rictus à la limite du pervers, oui, exactement celui que tu fais là. Et me lâche devant toute la classe. C'était bien hier avec Jennifer. Je sors de cours, je comprends pas. Là, je comprends que cet enfoiré de Fournol. Pas vous, hein, le mec de l'histoire. Cet enfoiré de Fournol a raconté à tout le collège que j'avais la syphilis. Sale histoire. Je me retrouve alors seul, au milieu de préadômes pointant du doigt comme si j'avais la peste. Est-ce qu'on a un roux dans la salle? Oui, toi, par exemple. Bah, tu vois, à partir de ce moment-là, eh ben, je me suis senti exactement comme toi depuis le début de ta vie. Même pour faire une bise à une meuf, c'était l'enfer. Ah, c'est toi, Julien? Ah non, désolé, parle à maman. Je l'ai finalement appris qu'il y a quelques jours pourquoi Fournol m'ouvrait à ce point. Il est mort la semaine dernière et m'a confié son secret avant de partir. Jour de la rentrée des 4e B, je frôle la queue de la cantine.
Gage de couline ultime à l'Institut Marie-Sainte-Croix de Versailles, où j'étais scolarisé à l'époque. Pendant toute la semaine suivante, tout le collège venait me voir. Putain, mais t'as frôlé la cantine, mais t'es un grand malade! Mais ce jour-là, j'aurais pas dû, car Fournol était dans la queue. Oui, vous l'avez compris, ce jour-là, j'ai eu le malheur de dépasser mon maître. La conclusion, qu'il dépasse son maître, il ira se faire mettre.